Coucou, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre message du jour, ce tirage journalier. Ce message est général, prenez ce qui résonne pour vous. Il ne parlera pas à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Voilà, prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Allez, quel est le message en ce jour, s'il vous plaît? On verra déjà un petit peu ce qu'on retrouve à la coupe pour aujourd'hui. Alors, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements et merci pour vos retours. Merci énormément du fond du cœur. Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Will Voyance. Pour cela, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Ne pas oublier la petite cloche en toutes notifications, tout simplement pour que vous ayez les vidéos en avant-première à travers ces notifications. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, TikTok et Instagram pour les personnes qui le souhaitent. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Ici, on nous dit, ça peut nous parler de plein de choses, on verra. En tout cas, on peut avoir des mensonges, trahisons et autres. C'est une carte très très sombre. Ici, on retrouve quand même un événement. On peut avoir un événement qui amène des petits soucis de santé. Hein. Ça peut être sur le plan émotionnel, on verra. Derrière tout ça, quel est le message du jour? Alors, quel est le message du jour? Alors, déjà, on parle de colère, hein, beaucoup de colère intérieure, on verra pourquoi. Voilà mes belles âmes, le jeu 32 est en place. Allez, je vous demande quelques secondes de temps de récupérer les premiers éléments. Pour les personnes qui ont l'habitude, pour les personnes qui arrivent, vous allez voir un petit peu comment je procède, le temps de réceptionner les éléments, et je vous retransmets tout cela dans quelques secondes. Ok, ok, bon. Alors, ici, je vous parlais tout à l'heure, donc on retrouve bien de la colère intérieure. Donc, on parle de colère intérieure par rapport à quelque chose qui est là. On peut nous parler d'un homme, soit d'un éloignement d'une personne qui est loin de vous en kilomètres, ou quelque chose qui s'éloigne, ou une personne qui s'éloigne. En tous les cas, on retrouve la certitude autour d'un homme ou par rapport à un homme. Il y a de la jalousie également ici. Beaucoup de colère intérieure à travers un événement. Je vous fais voir les trois cartes du 32 et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. En tous les cas, il y a de la colère. Pourquoi? Ici, s'il vous plaît. Allez, on va prendre en haut. On nous dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution qui fait qu'il y a quelque chose qui va avancer et continuer à grimper et aller. Alors, est-ce que c'est tout au long de cette évolution, cette colère intérieure? On va aller voir. Hein. Hop. Et on retrouve qui? En l'occurrence, là, je ressors une femme. Vous, la consultante qui me regardez, on peut nous parler d'un homme. Le message est général. Ben, regardez bien, cette femme, elle attend. Elle est un petit peu dépitée et on retrouve de la colère. Alors, homme ou femme, c'est général. Donc, on nous dit, attention, il y a quelque chose, on retrouve quoi? Un déplacement. Un déplacement qui est représenté avec les valises d'avion. Donc ça peut être un déplacement assez loin. On a quelqu'un qui peut s'éloigner, peut-être d'ordre professionnel ou quelque chose, on va aller voir. En tous les cas, on voit qu'il y a une évolution. Ça peut être un homme qui s'éloigne pour X raisons, on verra un petit peu plus loin, mais bah, on retrouve une personne un petit peu dépitée et certainement en colère. En tous les cas, on voit à travers un déplacement professionnel ou autre, on verra, hein, ou familial, il y a une évolution, ben, une personne qui est un petit peu triste par rapport à ce déplacement. Alors, on va continuer ici. On retrouve l'argent. Peut-être que ce déplacement est professionnel concernant ben, un aspect financier, hein, tout simplement avoir un meilleur pouvoir d'achat, hein, pour gagner un peu mieux sa vie, tout simplement. Un déplacement pour affaires, un déplacement familial, on verra un petit peu. En tous les cas, sur ce premier tour de carte, on nous dit qu'il y a un déplacement qui arrive et on voit eh ben, à travers ça un petit peu de colère et une personne qui attend et qui est un petit peu dépitée. Alors, on retrouve la
Rencontre, alors est-ce que il y a quelqu'un qui vous attend et qui est beaucoup plus loin que vous suite à une rencontre, hein, tout simplement, et l'aspect financier ressort parce que peut-être que ce déplacement est assez loin et on retrouve ben, un coût. On dit bien en évolution à travers une rencontre, quelqu'un qui attend. Peut-être que vous auriez dû aller plus vite. En tous les cas, ça concerne quand même de la colère, un aspect financier à travers un déplacement un peu plus loin. On parle d'ajournement. Alors. On retrouve des conflits et des rivalités, donc il y a peut-être une personne qui a amené des conflits et des rivalités et qui fait que cette colère fait que vous vous déplacez, ça peut concerner de l'argent à l'étranger ou quelqu'un qui est loin encore en kilomètres. Alors, on nous dit ici aussi, on me dit que c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être inattendu pour la personne qui vous attend ou ce déplacement autour de vous sur le plan familial et sentimental, on retrouve quelque chose d'inattendu et un petit peu comme une surprise. On retrouve des discussions. Donc on voit qu'il y a des discussions inattendues, un peu en surprise, concernant certainement un déplacement plus ou moins loin. Regardez, quand je vous disais, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui était dépité, on voit qu'il y a une personne qui est en colère, chagrinée, qui pleure. Et on nous parle d'argent. Alors, est-ce que ce déplacement est sur un aspect financier? C'est fort problème, en tous les cas, l'argent est concerné, soit pour y aller, ou soit pour ce déplacement à travers des rivalités, des conflits concernant de l'argent. Donc un déplacement plus ou moins loin, et on retrouve la parole, les échanges, donc on voit qu'à travers, dans quelques temps, un petit peu en surprise, il y a des échanges qui arrivent, et éventuellement pour aller vers ce déplacement. Vous voyez, on se ressort encore en déplacement. Il y a un déplacement qui est là, hein, on parle bien de voyage, hein. Déplacement en route, autant un déplacement de situation et autant un déplacement certainement pour aller voir une personne, mais ça part d'un aspect financier, rivalité un petit peu du conflit quand même par rapport à ça. Ça amènerait un nouvel élan. Le fait de vous déplacer peut-être par rapport à quelque chose qui est en attente, eh ben, ça amènera un nouvel élan, tout simplement peut-être à travers les échanges ou quelque chose qui doit être sur l'aspect financier, puisque je ressors deux fois l'argent et on ressort bien un événement. Donc ici, hein, on retrouve bien un événement qui arrive en surprise, quelque chose d'inattendu. On retrouve beaucoup de communication, de la rivalité, un déplacement peut-être financier ou concernant un aspect financier et un déplacement un peu plus loin. Donc on retrouve quand même un déplacement assez loin. Si c'est en France, c'est vraiment, il y a quand même une distance. Et puis, voire à l'étranger. Voilà mes belles âmes, le message du jour. Prenez ce qui résonne pour vous. Merci encore à toutes les personnes qui font l'effort de me soutenir, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, c'est vraiment très gentil. Merci pour toutes les personnes qui jouent le jeu et qui m'accompagnent et qui sont là très régulièrement. Merci énormément à vous toutes et tous. Pour les personnes qui le souhaitent, vous retrouverez mes prestations et tarifs si vous désirez un tirage avec moi pour que j'éclaire votre chemin de vie, tout simplement. Ça peut être sur une interrogation, sur un tirage complet. N'hésitez pas à regarder mes prestations et tarifs sur Willvoyance dans Google. Et puis, vous pouvez réserver en ligne. Je consulte ici au cabinet en Bretagne, à côté de Dinan, au Changéro, pour être plus précis. Vous pouvez me retrouver également par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France et à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soutien. Vous retrouverez également mon site internet Will Magnétiseur. Je suis thérapeute, magnétiseur, énergéticien. J'interviens sur les douleurs physiques, traumatismes et les problèmes et bien d'autres encore. Un problème de fatigue, sommeil, rééquilibrage énergétique. Vous avez mon site internet avec beaucoup de témoignages, de nombreuses choses qui sont sur mon site. Hein, voilà, sur les chakras, sur les énergies, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, pareil, je consulte au cabinet, mais également sur photo à distance, que vous soyez en France ou à l'étranger, ça ne me pose pas de soucis. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez également ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie, où je présente pas mal de choses. Il y a un peu plus de 1500 références, ça va être des bougies, de l'encens, la décoration, des lampes de sel, des plaques à rechargement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, et puis si vous avez un cadeau à faire ou si vous voulez vous faire plaisir, ben, je serais ravi de vous envoyer votre commande. Et bien écoutez, moi je vais vous souhaiter à toutes et tous, mes belles âmes, une très belle journée, une belle soirée. On se retrouve bien sûr dès demain pour le message du jour ensemble, et puis et ben, je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. À demain, bisous.